Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the leader of the Liberal Party of Canada, le chef du Parti libéral du Canada. Le chef du Parti libéral du Canada. Le président de la femme. Justin Trudeau. You guys having a great time here in Winnipeg? Mais vraiment, comment ne pas s'amuser? Entouré de milliers d'amis de tous les coins du pays, des libéraux comme vous, qui ont travaillé avec acharnement pour démontrer que la politique n'a pas besoin d'être négative ou divisive. Entouré par des amis qui ont travaillé fort pour prouver aux Canadiens que, comme nous le savons tous, il est toujours possible de faire mieux. Merci à tous d'être ici. C'est un honneur d'être ici avec autant d'amis et de collègues. Où que je regarde dans cette salle, je vois des gens qui ont frappé à des portes, qui ont installé des panneaux, qui ici se sont joints au Club Laurier, qui ont mis des noms sur des bulletins, qui ont travaillé de longues heures, qui ont constitué des équipes de bénévoles, qui ont fait des dons au courriel périodique que le parti envoie et qui, de façon générale, se sont investis, ont donné de leur temps pendant des semaines, des mois et même des années pour faire de notre parti un mouvement pour élire un meilleur gouvernement et surtout pour aider les Canadiens à choisir un meilleur avenir pour notre pays. Alors, il faut encore une fois féliciter le caucus libéral et les bénévoles libéraux qui sont responsables de cette victoire du 19 octobre dernier. Mes amis, c'est fantastique d'être de nouveau à Winnipeg parce que ça a été l'un des derniers arrêts, des arrêts les plus mémorables lors de la campagne. C'était le samedi soir avant l'élection du lundi. Nous avons commencé à Halifax avec des arrêts à St. John's et à Thunder Bay et nous sommes arrivés ici juste comme le soleil terminait la journée. Mais les Winnipegois ont vraiment permis à la journée d'être une véritable réussite. Nous étions de l'autre côté du centre civique et nous avons vu des gens sur le trottoir. Près de 3000 personnes étaient arrivées lors d'une soirée automnale avec leurs enfants, avec leurs amis, pour être témoins de ce moment. Nous savions qu'ils ne pouvaient pas tous entrer dans le bâtiment, mais eux aussi. Je suis sortie de la voiture et j'ai serré la main de tout le monde pour remercier les gens d'être venus, pour les remercier de leur soutien.
Eh bien, pour moi, c'est ce sur quoi portait cette campagne. Tous les Canadiens qui décidaient vouloir un meilleur avenir pour leur famille, un meilleur avenir que celui qu'offrait Stephen Harper. Je l'ai dit à plusieurs reprises à l'automne dernier, mais il faut le répéter. Notre campagne ne portait pas sur moi, elle portait sur les Canadiens. Et maintenant que les Canadiens nous ont choisis comme gouvernement, ils doivent savoir que nous allons passer chaque minute de chaque jour à travailler pour eux, que nous allons toujours faire tout ce que nous pouvons pour les écouter et pour maintenir notre lien avec eux. Mais c'est bien de voir qu'on peut toujours attirer une foule à Winnipeg, n'est-ce pas? Mais pensez-y. La dernière fois que nous étions rassemblés en Congrès, nous avions seulement 36 sièges à la Chambre des communes. C'est incroyable. Mes amis, même si c'était un plaisir d'être à la tête de cette petite mais redoutable équipe, une équipe d'irréductibles Gaulois, je dois vous avouer que c'est bien mieux de diriger un gouvernement qui compte 184 députés libéraux. Et c'est grâce à votre espoir et votre travail acharné que nous en sommes ici aujourd'hui. Pour chaque porte à laquelle vous avez cogné, chaque appel que vous avez fait, pour chaque voisin, ami, et membres de votre famille à qui vous avez livré notre message, je veux vous dire merci, merci de nous tous. Now, eh bien, nos amis conservateurs se réunissent également ce week-end. Ils sont à Vancouver, où ils débattent du mérite de l'égalité dans le mariage. En 2016, plus d'une décennie après que le mariage en personne du même sexe ait été légalisé au Canada. Better late than never. Mieux vaut tard que jamais. And it gives one hope. Et évidemment, ça nous donne espoir. Peut-être que dans 10 ans, ils vont peut-être être prêts à accepter que les changements climatiques sont bien réels. Où ils vont peut-être se rendre compte que des réductions d'impôts pour les riches n'aident pas la classe moyenne, ou que le gouvernement ne devrait pas pouvoir légiférer ce que les femmes peuvent porter sur leur tête. Well, we can hope, my friends. Eh bien, nous pouvons espérer, mes amis. Nous pouvons espérer. Bon, les conservateurs mettent peut-être du temps à changer, mais nous devons ne pas oublier que même s'ils sont nos adversaires, ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos voisins, ils sont nos amis. So, I want to take a moment. Je voudrais donc prendre un moment. Vous savez, il n'y a qu'une poignée de gens vivants qui savent ce que signifie faire le travail que je fais, moi. Et je suis l'une de ces personnes. Et je peux vous dire que même si vous n'étiez pas quelqu'un favorable à ces politiques, il ne fait aucun doute que Stephen Harper croyait vraiment dans notre pays. Alors, je vous demande de vous joindre à moi pour remercier l'ancien premier ministre pour ses nombreuses années au service du Canada. If there's only a
Et s'il n'y a qu'une poignée de gens qui savent ce qu'être un premier ministre, et il n'y a qu'une autre petite poignée d'autres personnes qui savent ce que signifie faire partie de la famille d'un premier ministre. Et j'appartiens à ce groupe-là également. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Alors, je voudrais que nous prenions tous un instant pour remercier Laureen, Ben et Rachel d'avoir appuyé Stephen Harper pendant tout ce temps. Il y a 2 ans, lors de notre dernier congrès national à Montréal, nous nous sommes retroussé les manches en vue de créer un plan ambitieux à l'image des aspirations des Canadiens. Nous avons aussi eu des discussions franches avec des millions de Canadiens, et c'est pour cela que les gens se sont sentis interpellés par nos idées, parce qu'elles correspondaient à leurs valeurs, leurs préoccupations et à leurs espoirs. Les Canadiens ne voulaient pas seulement un gouvernement différent, ils voulaient un meilleur gouvernement. Les Canadiens voulaient un gouvernement qui prenait le temps de les écouter, de vraiment les écouter. Et un gouvernement qui était prêt à se donner un programme en fonction de ce dont les Canadiens voulaient. Les Canadiens ont répondu au plan que nous leur avons offert parce qu'ils se sont vus dans ce plan. Ils y ont vu leurs préoccupations, leurs luttes, leurs espoirs et leurs valeurs. Le Canada a toujours été une terre de promesses, un pays fondé sur une hypothèse très simple, que vous soyez arrivé ici, que vous soyez né ici, en travaillant fort, on pouvait se créer une bonne vie pour soi-même et pour sa famille, d'où qu'on vienne. Au Canada, tout le monde a une chance égale de réussir. Nous croyons qu'un gouvernement qui se préoccupe de la réussite de ses citoyens devrait faire tout ce qu'il peut pour renforcer la classe moyenne et tous ceux qui travaillent fort à s'y joindre. Nous ne le pensons pas simplement, nous le mettons en action le jour de notre élection et tous les jours par la suite. Et nous allons continuer de nous fixer cet objectif pendant tout le temps où nous serons au pouvoir. Notre première mesure a été de réduire les impôts pour la classe moyenne pour donner aux Canadiens de la classe moyenne davantage d'argent pour qu'ils puissent investir et stimuler l'économie. Grâce à cette réduction d'impôts, près de 9 millions de Canadiens conservent une plus grande part de leur paye de chèque, leur chèque de paye. That's real change that makes a real difference. C'est un véritable changement qui fait une véritable différence. Nous avons aussi promis d'aider les familles canadiennes compte tenu du fait qu'élever des enfants, ça coûte cher. Et nous avons rempli cette promesse dans le premier budget. À compter de juillet, l'allocation canadienne pour enfants donnera à 9 familles canadiennes sur 10 plus d'argent libre d'impôts pour les aider à vêtir, nourrir leurs enfants et aussi les services de garde nécessaires. L'allocation canadienne pour enfants n'est pas simplement un véritable changement, mais un véritable investissement dans les gens, dans les familles canadiennes, dans une classe moyenne solide et dans notre avenir commun. Les Canadiennes ont assumé les coûts associés à élever leurs enfants. Et dès notre premier budget, nous avons tenu cette promesse. À partir de juillet, grâce à l'allocation canadienne pour familles, 9 familles sur 10 auront plus d'argent pour couvrir leurs dépenses quotidiennes comme l'épicerie, la garderie ou les vêtements. Parce que l'allocation canadienne pour enfants
est plus qu'un vrai changement. C'est aussi un investissement dans les familles, dans une classe moyenne plus forte et dans notre avenir commun. Mes amis, nous faisons ces investissements parce que nous avons écouté les gens qui les réclamaient. Et ce n'est pas le moment de s'arrêter. We got here because we listened. Nous sommes arrivés ici parce que nous avons écouté les gens. Et c'est encore plus important de les écouter maintenant que nous formons le gouvernement, même si c'est plus difficile. Parfois, ça se présente de façon inattendue. Nous devons en être conscients. Et nous devons tenir compte. Je vais vous donner un exemple. Je suis arrivé hier soir directement à partir du Japon où j'ai représenté le Canada au cours de mon premier sommet du G7. Nous avons eu des réunions très intéressantes entre le président premier ministre Abe et parmi les plus grands investisseurs japonais au Canada. Et nous nous promenions à Toronto, à Tokyo, passant d'une réunion à l'autre. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, Tokyo ne semble pas aussi occupé que la dernière fois que j'étais là. C'est la ville la plus importante au monde. Il n'y a pas de circulation. Et j'ai dit à Sophie, tu vois ce qu'une de bons investissements en infrastructures peuvent faire. Voilà pourquoi nous investissons des milliards de dollars dans les travaux publics. Il n'y a personne sur la route parce que tout le monde est dans le métro. Sauf que Sophie m'a ensuite regardé pour voir si je blaguais. Et ensuite, elle m'a regardé avec un sourire et a dit, Justin, il n'y a pas d'autres voitures sur la route parce qu'on fait partie d'un convoi de voitures. Vous riez et vous devriez le faire, mais cela fait ressortir un point très important. Bon, évidemment, il y a la question des investissements dans les transports publics, ça c'est vrai. Mais nous sommes ici parce que nous avons rétabli le lien avec les Canadiens. Ils ne participent pas à des sommets avec Barack Obama ou Angela Merkel ou au siège à la Chambre des communes, mais ils comptent sur nous pour que nous fassions tout cela pour eux, en leur nom, dans leur intérêt, et que nous ne les oublions jamais. Quand nous les représentons, quand nous travaillons pour eux au pays et dans le reste du monde. Ils comptent sur nous pour faire ce que nous avons promis de faire. Passer chaque journée à travailler pour les Canadiens. Il faut mettre les gens toujours au premier rang. Bon, ce n'est pas simplement une stratégie de campagne, c'est la façon dont nous gouvernons. C'est particulièrement vrai dans le cas des gens qui ont été exclus pendant trop longtemps. Nous avons entrepris le travail difficile à faire pour aider les Canadiens dont le potentiel n'a pas pu se réaliser jusqu'à maintenant. Mes amis, il n'y a pas de relation plus importante pour moi et pour le Canada que la relation avec les Premières Nations, la nation métisse et les Inuits. Et voilà pourquoi nous avons pris des mesures réelles et positives pour veiller à ce que les Autochtones au pays aient les mêmes chances que les non-Autochtones. Nous savons bien que ces changements ne sont pas possibles du jour au lendemain, mais cela ne nous arrêtera pas. Nous allons investir 3,6 milliards de dollars dans l'éducation des Premières Nations et plus d'un milliard de dollars pour l'infrastructure sociale comme le logement et les services de garde dans les réserves.
Nous avons commencé à permettre aux peuples autochtones du Canada de gravir l'échelle de la mobilité. Nous voulons aussi accroître les possibilités pour 25 000 réfugiés syriens qui ont fui le chaos et la violence. Des milliers de Canadiens et de collectivités dans tout le pays ont accueilli ces nouveaux venus, et pas avec des soupçons et de la méfiance, mais avec des bras ouverts. Et grâce à notre compassion, à notre générosité, nous avons ouvert un monde de possibilités pour ces nouveaux Canadiens. Nous l'avons fait non pas en étant victimes de la peur, mais en demeurant fidèles à nos valeurs. Vous vous souvenez sûrement que nos adversaires ont voulu remettre nos valeurs en question pendant la campagne. Ils sont même allés encore plus loin en voulant faire de l'égalité des citoyens un enjeu électoral. Je l'ai dit en campagne et je le redis aujourd'hui, un Canadien est un Canadien. Point à la ligne. Qu'il s'agisse de nos droits fondamentaux ou des conséquences auxquelles nous faisons face quand nous ne les respectons pas, nous sommes tous égaux aux yeux de la loi. Mais ce n'est pas suffisant. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Nous devons poursuivre le travail de ceux qui ont combattu avant nous et pour nous. Qu'ils aient combattu pour le vote ou pour les droits à la reproduction ou pour notre droit d'épouser qui nous aimons. Nous devons continuer de travailler d'arrache-pied chaque jour pour veiller à ce que tous les Canadiens soient traités de façon égale et comme des égaux. Et voilà pourquoi nous avons présenté une loi en vue de protéger complètement les transgenres en vertu de la loi. Grâce à ce projet de loi, les transgenres canadiens seront égaux et protégés par la loi. Ce projet de loi montre que notre parti est engagé envers le progrès, que l'idée que mieux faire est toujours possible. De faire preuve d'audace. On doit démontrer le même engagement envers le progrès au sein de notre parti que nous avons dans nos politiques gouvernementales. Nous avons eu beaucoup de succès au cours des derniers mois, mais c'est le résultat de plusieurs années de travail acharné. On ne doit jamais oublier où on était il y a seulement quelques années et comment on s'en est sorti. En 2011, nous sommes arrivés troisième. Nous pensions morts. Et des adversaires qui avaient modernisé leur parti et qui avaient fait un meilleur travail pour rejoindre les Canadiens que nous, nous ont dévancés. Bon, ce n'était pas un cauchemar dont nous venons simplement de nous réveiller. C'était réel. Ça s'est produit et ça a été presque notre fin à nous. Mais ce n'est pas grâce à la chance que nous nous en sommes sortis, mais par notre travail. En 2012, à Ottawa, nous avons fait confiance aux Canadiens. Nous avons révolutionné notre parti lorsque nous avons ouvert ces portes grandes ouvertes et que nous avons invité les Canadiens à le réinventer.
Huit mois plus tard, lorsque j'ai lancé ma candidature à la direction du parti dans Papineau, j'ai dit que le moment était venu de faire confiance aux Canadiens, que si nous voulions avoir un avenir, nous devions donner au Parti libéral du Canada, nous devions le redonner aux Canadiens. Well, we did. Et c'est ce que nous avons fait, et voyez ce qui est advenu. Nous sommes devenus un parti confiant, un mouvement ouvert, uni et qui met l'accent sur ce qui importe aux Canadiens et ce qui importe pour notre avenir. Mais les statuts que nous avons à l'heure actuelle sont le produit de l'ère que nous avons voulu mettre derrière nous. L'ère des luttes intestines, l'ère des libéraux à épithète, l'ère de la pensée insulaire qui a presque tué ce parti. Voilà les statuts que nous devons remplacer. Bon, je voudrais qu'il y ait quelque chose de très clair au sujet de nos statuts actuels. Bon, il ne s'agit pas de traités qui ont été écrits avec la plume de Louis Laurier. C'est un ensemble de mesures qui représentent la bureaucratie qui crée les conflits et la distance entre nous. Et pour le chef du parti, cela crée une distance entre le chef et la base militante. Nous avons débattu de nos statuts depuis des années. Nous sommes des libéraux. Nous aimons les débats. C'est une bonne chose, c'est sain, et c'est ce qu'il convient de faire. Et je suis toujours plein de soupçons lorsqu'il n'y a pas de débat. Donc, je voudrais honorer ceux qui ont élevé leurs préoccupations à la gare des nouvelles propositions relatives à nos statuts. It takes courage. Il faut du courage pour s'élever contre quelque chose en quoi croient les dirigeants de votre parti. Je vous admire et vous remercie. Mais je veux aussi dire ceci. Si je croyais pendant une seule seconde que les nouveaux statuts priveraient la base militante de certains pouvoirs, je serais là avec vous, coude à coude, à m'élever contre ces changements. Mais ce n'est pas le cas. Et je le sais parce que vous avez aidé à rédiger ces statuts. Cela reflète toutes les portes auxquelles vous avez frappé et tous les appels que vous avez faits. Nous avons rédigé ces statuts ensemble. Il s'agit de mettre fin à la distance entre le chef et chaque contributeur à ce mouvement que nous avons créé. Des centaines de milliers de Canadiens se sont joints à nous au cours de la dernière année. Ils ont créé un mouvement et nous tous ensemble en sommes les chefs. Nous pourrons répondre aux préoccupations des libéraux de manière plus efficace et plus moderne. Comme vous, je souhaite avoir 338 associations de circonscriptions libérales qui ont une présence forte et marquée au sein de leur communauté. Des associations qui mettent tout en œuvre pour faire élire leurs députés et des députés qui, eux, font haut et fort la voix de leurs concitoyens à Ottawa.
Et comme vous, je veux aussi un parti national qui est toujours au service des associations de circonscription. Le parti doit être là pour appuyer le travail que font les libéraux dans chacune des circonscriptions. Et je veux enfin que les associations locales et tous ceux qui donnent de leur temps aient plus facilement accès aux principaux dirigeants du parti, y compris moi-même. Il faut moderniser notre structure pour rapprocher la base du parti à ses dirigeants. C'est exactement ce que cette nouvelle constitution permettra. Ces nouveaux statuts sont rédigés pour créer les prochaines étapes dans notre mouvement. Une organisation moderne, responsive, à laquelle on peut se joindre. Ce sont les statuts qui vont rattraper le mouvement que, ensemble, nous avons créé. Ce sont les statuts dont nous avons besoin pour continuer à connaître du succès. Nous le savons. Nous le savons. Parce que nous avons touché le fond du baril et que ça nous a libérés. Nous avons réfléchi à ce que nous devions faire et nous avons travaillé fort. Nos collègues des autres partis n'ont pas encore appris ces leçons, mais ils pourraient le faire et nous devons continuer de les devancer avec ces nouveaux statuts. Nous pourrons le faire. Mes amis, pensez à ça lorsque vous voterez aujourd'hui. J'ai besoin de votre appui pour faire de notre parti un mouvement politique moderne et branché sur les Canadiens. C'est le temps d'aller de l'avant, de passer à un nouveau chapitre. I'm asking you for your support. Je vous demande votre soutien aujourd'hui. Enfin, et de façon ferme. Fermons la page sur une ère difficile de notre pays. Continuons et mettons l'accent sur l'aide accordée aux Canadiens. My friends. Chers amis, nous avons beaucoup accompli au cours des dernières années ensemble. Nous pouvons et nous devrions être fiers de tout ce que nous avons fait. Mais s'il est important de penser à nos réussites, nous devons continuer à mettre l'accent sur le travail difficile qui reste à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y en a plus devant nous que derrière nous. Et à mesure que nous entreprenons de faire ce travail, je vous demande à chacun de demeurer plein d'espoir. Chaque jour, vous avez un choix et j'espère que vous prendrez toujours la décision de demeurer ambitieux, de demeurer idéaliste, de demeurer positif. Grande équipe, nous comptons sur vous. Alors faites-nous part de vos préoccupations, exprimez-vous. On vous écoute. C'est ensemble que nous bâtirons un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Our work has just begun. Notre travail vient de commencer. Je sais qu'avec votre aide, nous allons faire ce travail et nous le ferons de la même façon que nous l'avons fait tout au long, avec espoir et avec du travail acharné. Merci beaucoup.